Salut à tous, c'est Jesse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Genshin Impact pour la nouvelle mise à jour 3.3 et le test de deux nouveaux personnages, Nomad et Faruzan. Et après, une séance d'invocation pour débloquer un 5 étoiles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Donc, avant de commencer, on va récupérer les récompenses de la mise à jour. Donc, les voici. Et en prime, on a aussi cette récompense que j'ai pas encore récupérée. Voilà. Ce qui fait pas mal du primogène. 800. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, le test des personnages. La quête d'Archon du nouveau personnage. Et le nouvel événement, jeu de cartes. Essayez, c'est l'adopter. Et voici le nouveau personnage 5 étoiles, Nomad. Anciennement Scaramouche. C'est bizarre de le voir dans cette couleur. Bon, un catalyseur. Hein. Voyons ce que ça donne. Alors moi, sachez que j'adore les animaux. Hein. On voit déjà sa puissance. Oh. Waouh. Il est déjà stylé, hein. Allez, son déchaînement, c'est quoi? Ouh. Ah, quand même. Ah, franchement, Nomad, il est vraiment pas mal, hein. Ah, d'accord, c'est déjà fini. Ok. Ah non, mais ce Nomad, il est trop puissant. Bah voilà, c'est déjà la fin du test pour ce personnage. Passons au suivant. Et voici le nouveau personnage 4 étoiles, Faruzan. Bon, c'est une archer. Bon, c'est un personnage qui sert de boost, si j'ai bien compris. Pour les animaux. Elle est pas mal, hein. Et là, si je fais ça... j'ai pas eu l'impression que ça a boosté quelque chose, là. Peut-être. Ah, 18 000 quand même. Ah, et Izu toujours aussi stylé, hein. Elle est plutôt sympa, hein, quand même. Et voilà. C'est la fin du test. Alors, voici les nouvelles bannières. La bannière de Nomad avec le 4 étoiles. Et voici la bannière d'Ito. Et la bannière des armes. Avec la nouvelle arme pour Nomad. Alors moi, je vais invoquer pour Nomad, hein, franchement, le personnage, il m'intéresse. C'est un animo, il est vraiment stylé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même 33 000 primogènes. Et j'ai 19 invocations. L'objectif, c'est d'atteindre la pitié. Après, si je gagne pas mon 50-50, je pense pas que j'irai plus loin. Même si je le veux, il y a quand même des limites pour user mes primogènes. Avant toute chose, je vais aller dans la boutique. J'ai quelques invocations à récupérer, hein, 12 quand même. Voilà, ça touchera moins mes primogènes.
Voilà, 31 vœux. Donc, pour ce qui est de la pitié, je suis à combien, moi? Voilà, la dernière fois que j'ai invoqué pour un personnage, c'était Ganyu. Donc, je suis à 1, 2, 3 et 4. Je suis à 4 du pitié. Donc, je vais faire des singles jusqu'à 10 et après, je ferai des multi. Donc, 5. Et la dixième. Bon, il n'y a rien eu. Passons à 20. Oh! Et ben voilà. J'ai déjà le nouveau personnage 4 étoiles, Faruzan. Ça, c'est plutôt cool. Bon, ça commence bien. Le nouveau personnage 4 étoiles. Passons à 30. Ah! Bon, encore une Faruzan. Ok. Oh, épée rituelle. Pourquoi pas? Bon, voilà. Une deuxième Faruzan. Passons à 40. Oh, un gourou. Pourquoi pas? Une deuxième épée rituelle. Ça, c'est bien. Voilà. Gourou et une épée rituelle. 50. Un deuxième gourou. Je crois que je suis à 60 là. Ouais, ça peut toujours servir. Bon, 70. Bon, un troisième gourou. Allez, le 5 étoiles là. Toujours pas. Une troisième Faruzan. Bon. Je vais quand même faire une multi, hein. 90. Boum! Nomade! Et ben voilà, j'ai gagné mon 50-50. Et j'ai eu Nomade. Ah bah j'ai fait une multi pour rien. Bah voilà, j'ai le nouveau personnage. Voilà, une quatrième Faruzan. Ok. Bon, voilà. Nomade et Faruzan et une arme 4 étoiles. Donc, j'ai eu Nomade pour 81 invocations. Si je me suis pas trompé.
Bah voilà, c'est plutôt cool, hein. J'ai gagné mon 50-50. It's a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Je te vois, nomade, anciennement Scaramouche. This had better be important. Ah, il est vraiment stylé quand même, hein. The wind rises. Ah ouais. On volait tout, hein. Comme par hasard, ça me fait penser à un gameplay dans Tower of Fantasy, hein, avec mon personnage Lynn. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la mise à jour 3.3 et le test des deux nouveaux personnages, Nomad et Farouzan, et sur la séance d'invocation. Sur ce, à la prochaine !